Vous avez des idées, vous, pour le film? Ça serait un film fantastique. On va se faire un remake d'X-Files. Ah, quand même. Bah, et les autres, ils sont où? Ouais, je viens de les doubler, ils arrivent. Cette saucée. Bah, Ewing n'est pas avec vous? Faut dire qu'il est spécial, ce mec. Tu viens, Sarah, quand on l'a vu à la cascade? Ewing, qu'est-ce que tu fais là? Moi aussi j'ai déjà vu sous la cascade. Je suis sûr qu'il fait des incantations pour appeler les forces du mal. Je vous rappelle qu'on a un scénario à écrire. Bon, par quoi on commence? Moi, je vous propose d'écrire l'histoire d'un type à double personnalité. Un mec qui, la nuit, se transforme en meurtrier sanguinaire. Je pense que le thème de la double personnalité est un peu dépassé. Désormais, le public attend d'autres émotions. Je vous propose un serial killer bâti sur des phénomènes paranormaux. En gros, il veut dire qu'on pourrait parler d'un personnage qui a des pouvoirs surnaturels. Ouais, comme les gens qui commandent des objets à distance. Ça me fait penser à l'autre jour quand j'étais avec Ewing. Et au fait, t'as vu l'émission télé hier, sur les mondes parallèles? Il y avait des trucs intéressants qui auraient pu nous servir pour le scénario. Tu m'écoutes? Oh le con! Croyez-moi si vous voulez, mais je l'ai pas retrouvé. Et il était pas chez lui non plus. Et personne n'a revu depuis? Je l'ai croisé hier, en allant à la bibliothèque. C'est bien ce que je disais. Il est bizarre, ce mec. À mon avis, soit c'est un esprit, soit il fait partie d'une secte, soit il a des pouvoirs surnaturels. Bon allez, il y en a marre de se faire des films avec Ewing, je vous rappelle qu'on a le nôtre à écrire. Imaginez, c'est la nuit, par un temps d'orage comme aujourd'hui. Une vieille maison, isolée au milieu de la campagne, dans laquelle 8 personnes se sont réunies pour écrire un scénario. Discutent jusque tard dans la nuit. Ce même soir, plusieurs meurtres ont lieu dans les environs. Un fou assoiffé des sangs se dirige vers la maison et défonce la porte à coups de hache. Et là, il cartonne pas mon costume.
Vous avez des idées, vous, pour le film? Ça serait un film fantastique. On va se faire un remake d'X-Files. Ah, quand même. Bah, et les autres, ils sont où? Ouais, je viens de les doubler, ils arrivent. C'est de saucer. Bah, Ewing n'est pas avec vous? Faut dire qu'il est spécial, ce mec. Tu viens, Sarah, quand on l'a vu à la cascade? Ewing, qu'est-ce que tu fais là? Moi aussi, j'ai déjà vu sous la cascade. Je suis sûr qu'il fait des incantations pour appeler les forces du mal. Je vous rappelle qu'on a un scénario à écrire. Bon, par quoi on commence? Moi, je vous propose d'écrire l'histoire d'un type à double personnalité. Un mec qui, la nuit, se transforme en meurtrier sanguinaire. Je pense que le thème de la double personnalité est un peu dépassé. Désormais, le public attend d'autres émotions. Je vous propose un serial killer bâti sur des phénomènes paranormaux. En gros, il veut dire qu'on pourrait parler d'un personnage qui a des pouvoirs surnaturels. Ouais, comme les gens qui commandent les objets à distance. Ça me fait penser à l'autre jour quand j'étais avec Kevin. Et au fait, t'as vu l'émission télé hier, sur les mondes parallèles? Il y avait des trucs intéressants qui auraient pu nous servir pour le scénario. Tu m'écoutes? Oh, le con! Croyez-moi si vous voulez, mais je l'ai pas retrouvé. Et il était pas chez lui non plus. Et personne l'a revu depuis? Je l'ai croisé hier, en allant à la bibliothèque. C'est bien ce que je disais. Il est bizarre, ce mec. À mon avis, soit c'est un esprit, soit il fait partie d'une secte, soit il a des pouvoirs surnaturels. Bon allez, il y en a marre de se faire des films avec Ewing, je vous rappelle qu'on a le nôtre à écrire. Imaginez, c'est la nuit, par un temps d'orage comme aujourd'hui. Une vieille maison, isolée au milieu de la campagne, dans laquelle 8 personnes se sont réunies pour écrire un scénario. Discute jusque tard dans la nuit. Ce même soir, plusieurs meurtres ont lieu dans les environs. Un fou assoiffé de sang se dirige vers la maison et défonce la porte à coups de hache. Et là, il cartonne pas mon costume.